Ma vision pour l'avenir est de mettre en place une entreprise de fabrication des foyers améliorés et de distribution de gaz à usage domestique. L'idée, c'est de lutter contre la coupe invisible du bois, qui est à la base de la désertification responsable du réchauffement climatique au Sahel, notamment ici au Niger. C'est aussi une autre façon de lutter contre les inondations qui ont causé des dégâts et aussi des pertes en vies humaines dans la totalité des régions de mon pays.